Action. Bah, y a des joueurs, ils ont 56. Je vais leur donner leur boîte. Allez, on y va. Ouais, regarde, y a ta carte. Il a 78, j'ai 77. Il a plus que moi, j'ai la rage. C'est vrai que 71 vitesse. Alors tu cours aussi vite que moi, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, y a un problème. Mais bon, on va leur dire merci. Mais par contre, dribble 65, c'est ça. Morgan. Non, c'est pas ici. Morgan. J'ai besoin de toi. Morgan. T'es où? Tiens. Ah, tu m'as donné du fil à retordre, monsieur. Non, mais c'est, j'ai un petit cadeau pour toi, frérot. Ils m'ont mis 60 en frappe. Ils connaissent pas la frappe. Ils connaissent pas, tire du tigre. C'est qui lui? 77, carte en or, 88 vitesse. Ah, ça doit être un genre de ouf, ça. Ah, j'aime trop. Allez. T'as 81, je suis jaloux. Parce que j'ai que 77. Bien. Intéressant. T'aimes bien 78? C'est mieux que toi, non? Ouais. Vas-y, lui aussi, il a plus que moi. Hey, wesh, il y a 20 joueurs, ils ont plus que moi. Hey, FIFA, attention. C'est qui le plus... C'est Walter, 81. Oh. 81. Après, c'est toi, après. 79. 64, j'aime pas. Je déteste ta carte. Tu comprends le français? You understand? Ah merde, j'aime trop. Là, je vais dire que ça faisait depuis février 2018 qu'il n'y avait pas de match européen à Nice. C'est bon? Quand tu veux? 2 ans et demi que l'annonce Riviera n'avait plus accueilli de match européen. Non, c'est trop compliqué, je vais trop long là. Bonjour. Wamin Gouri. Allez, je me fais la dernière parce que je ne la sentais pas. Merci beaucoup à Crédit Agricole, merci à les supporters qui sont votés pour moi. Je suis très fier de porter le maillot niçois. Issa Nissa. La Coupe d'Europe, c'est. On va dire oui, c'est de haut niveau. C'est, on a envie de bien faire. On a envie de bien faire pour le club. On a envie de bien faire. On a envie de représenter la ville. On a envie de représenter nos couleurs. On a envie de représenter le football français. Et c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilités et on a envie de bien faire. On a envie de se rattraper, on a envie d'y croire à cette qualification parce que c'est notre objectif. Et pour ça, il faut passer par faire déjà une belle performance demain soir et gagner le match. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Après, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bonjour à toutes les familles du Point Rose, c'est Johan Cardinal, gardien de l'OGC Nice. Voilà, comme vous le savez, lors de cette compétition européenne, le Point Rose est inscrit au dos de notre maillot. Donc j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible dans cette compétition pour faire voyager le Point Rose à travers toute l'Europe. On joue notre premier match à domicile contre Beersheba et on la jouera en ta mémoire, Paul. On va tout faire et on va se battre pour amener les 3 points lors de ce match. On pense très très fort à tes parents, on pense très très fort à ta petite sœur. Et Paul, je te promets qu'on va donner le maximum pour amener les 3 points. Thank you.
Il est compliqué ce soir pour Florent Balmont comme pour moi de prendre l'antenne avec le sourire, de prendre l'antenne dans la bonne humeur. Forcément, nous aurions aimé avoir une Allianz Riviera pleine ce soir, une Allianz Riviera pleine de bonheur, de bonne humeur pour le retour de la Coupe d'Europe ici dans cette ville de Nice. Parce que cette ville de Nice, ce soir, elle est meurtrie, Florent touché par la barbarie. Ce match, il aura peut-être pour vocation justement de réchauffer un peu les cœurs, de réchauffer une ville meurtrie. Ce soir, nous sommes réunis pour un match de football, mais nos cœurs sont à bout. Nice, notre ville, est de nouveau endeuillée par une attaque terroriste. Observons ensemble une minute de recueillement en mémoire des victimes de cette tragédie. Allez, route, allez, route! Elle est belle, ça. Oh, tu les aimes bien. Tu les aimes bien. Oh, putain de merde. Va. Ouais. Vie. C'est vrai que parler football, c'est très compliqué, très difficile, parce qu'on pense à la famille des victimes. On pense à tous ces Niçois qui sont dans la souffrance, dans le deuil. On est tous dans le groupe très touchés, on a parlé un avec les autres. C'est quelque chose que ça nous avait fait mal aussi. Et qu'on porte au nom du groupe toutes nos condoléances aux familles touchées. Et voilà, le foot passe un peu après, malgré que c'est notre profession, mais voilà. On était très touchés et c'est bien de finir cette journée par une victoire. Bien sûr qu'on est affecté, qu'on est touché, mais il faut rester debout. C'est vrai qu'on était tous tristes, ça a touché notre ville et cette victoire, elle est pour les familles des victimes, pour les victimes et pour toute notre ville. Ça a touché nos couleurs et aujourd'hui on a gagné, on est très contents. Vivre de tels moments dans notre pays, dans notre beau pays, croyez-moi que c'est très difficile. Et encore une fois, évidemment, tout mon soutien aux familles, aux proches, des gens lâchement assassinés. Et aussi on y soit, c'est une ville qui est souvent la cible d'attentats. Bonjour Claude, et ce matin dans les journaux, on parle d'un silence. Un silence que vous ressentirez à la une de l'Équipe, barré d'un titre en dialecte niçois, Porra Nissa, pauvre Nice. Et derrière ce titre, trois athlètes figés. Le gardien de but argentin, Walter Benitez, au visage fermé. Un jeune attaquant français aux yeux perdus dans le vide, Amine Gouiri. Un vétéran brésilien barbu, les mains jointes, crispées. Lui certainement priait Dante, le capitaine de l'OGC Nice, avant le match de Coupe d'Europe que son club disputait hier soir dans son stade. Il fallait jouer après une journée de sang et de larmes. Mais avant de jouer, les joueurs de Nice et leurs adversaires israéliens de Beersheva ont ajouté une minute de silence, ou silence qui occupait déjà un stade vidé de ses spectateurs en raison du Covid. Nice a gagné sans célébrer le but du jeune Gouiri. À la fin du match, le capitaine Dante semblait nerveux, il en sourit. Parfois j'ai les fils qui se touchent. Cela je le lis dans Nice Matin, qui bravement est allé couvrir le match parce que la vie quand même. Il y a du football à l'intérieur de Nice Matin, journal essentiel à nous et à sa ville, qu'il embrasse dans toutes ses dimensions. Pour clore cette semaine qui vient s'ajouter aux précédentes de cette année pourrie, j'avais très envie d'écouter Dick Rivers chanter Ma ville, ta ville, Eva, oui. Nice. Tu t'avais connu, la piste des échanges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues. Tu regretterais tout ça. Ouais, tu regretterais tout ça. Allez, Issa Nissa et tous les autres.
dur, mon ami. Et Kéfren, c'est pas ton ami. Mais t'es un bon joueur. Comme ton père. T'es un père, t'es un fils. À tes côtés, au milieu, il y a Morgan Génarin, plus souvent. Ça fait quoi de jouer avec lui? Qu'est-ce qui... Est-ce que tu peux nous parler un peu de son profil, de ce qu'il apporte au jeu de l'équipe? Il apporte beaucoup d'expérience. Il nous parle beaucoup, parce qu'il a vécu des choses qu'on n'a pas encore vécues. Il va me donner quelques détails sur mon poste, vu qu'on joue le même poste. Il me dit de me lâcher. C'est, même il me parle de la vie, des erreurs à ne pas faire. Et, franchement, il me parle beaucoup et ça m'aide beaucoup. Bonjour. Ça va? Oui, jour des matchs, voilà. T'as bien dormi, Jordan? Franchement, j'ai bien dormi, mais il y a eu l'alarme. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça m'a un peu réveillé. Alors, m'a senti. Ouais. Je sais pas c'était quoi, mais je pense que c'était ça. Bah ça va, c'était qu'à quelle heure? 9h, 9h30. Ouais, mais quand même, je peux encore dormir 30 minutes, tu vois. Bah t'es en forme quand même. Ouais, je suis en forme. J'ai remarqué mon premier but, c'était une belle passe de Dante qui m'a laissé tout seul. Après j'ai fait que frapper et j'ai bien placé le ballon. Et ça fait du bien pour le mental aussi de marquer, d'être décisif. Ouais, ça fait du bien, c'est pour ça que je suis là, pour marquer, pour faire la différence. Heureusement j'ai fait ça aujourd'hui. Et j'espère que c'est que le début, parce que je suis là pour aider l'équipe à gagner tous les matchs. Oui, ah, voilà, c'est je l'ai pris, voilà, je le sentais bien. J'en tire souvent à l'entraînement avec mon ami Cardi B. Et puis voilà, je t'ai vu derrière, ça m'a mis en confiance. Et puis voilà, je suis allé. Hein. Faut prendre son courage à deux mains, c'est ce que j'ai fait. Et ça marque, donc tant mieux. Bah, parce que après, tu vois, j'ai un peu oublié, tu vois. C'était sur le moment où je t'ai vu et après j'ai oublié. Mais je te le dédie quand même, mon Mimoun. Allez! Qu'est-ce qu'on pense? Il est là, viens. Wow. Là, c'est un centre de Hassan. Je suis tenu. Repoussé par le gardien. Aïcha,
Après je la mets de la tête et le ballon sur la ligne, Cham il la pousse au fond. Mais bon, voleur. C'est pas grave, on est une équipe et c'est comme ça. Bah c'est un renard, c'est comme ça. Faut traîner, si tu traînes, bah voilà, tu marques. Donc c'est ce qu'il a fait et puis je suis très content qu'il ait marqué son premier but. T'inquiète. T'as volé le but? Ouais. Non, arrête toi. La balle est rentrée, la balle est rentrée. Hop. Flavius. Bravissimo. Andy. Voleur. Ronny. Le compteur il est débloqué. Putain, elle est bonne celle-là. Non, demande mon couteau. Ouais! Ouah! Enfin! 6. C'est notre inspiration. Grand frère, c'est le capitaine. Ouais, Capitano, on est tous derrière toi. J'espère que tu vas revenir très vite. Courage, courage, on est avec lui et on sait que c'est dur. Voilà, on sera toujours derrière lui et puis c'est notre capitaine. Et puis on l'aime. On n'a rien lâché jusqu'au bout, on a s'est battu jusqu'au bout. Donc il faut garder ça.